L'eurodéputé Thierry Mariani a appelé hier à préserver le partenariat avec le Maroc, un pilier de la politique européenne en Afrique et en Méditerranée. L'eurodéputé a rappelé que les relations avec le Maroc étaient essentielles sur les plans migratoires, économiques, sécuritaires et géopolitiques. Ce dernier s'exprimait lors d'une session plénière du Parlement européen à Strasbourg. Il a ainsi dénoncé la dernière résolution hostile au Royaume qui remet en cause une décision de la justice marocaine. Il estime que la situation devient particulièrement inquiétante. Je vous propose de l'écouter. Alors que le Royaume du Maroc est un pilier de notre politique en Afrique et en Méditerranée, cette situation est particulièrement inquiétante. À l'heure où toutes les réunions sont analysées pour savoir si elles relèvent ou non de l'ingérence étrangère, je note par ailleurs que le groupe d'études sur le Sahara continue à promouvoir régulièrement les thèses du Front Polisario et à relayer celles de l'Algérie dans cette partie du monde. Après les événements judiciaires de ce week-end, la commission paritaire UE-Maroc n'est plus dans les conditions de poursuivre son travail. Il est absolument nécessaire que le Parlement nomme vite un nouveau coprésident. La dernière réunion de cette commission remonte à mai 2022 et elle serait aujourd'hui particulièrement utile pour que la diplomatie parlementaire puisse jouer son rôle au milieu des tensions. Notre relation avec le Maroc est essentielle au plan migratoire, économique, sécuritaire et géopolitique. Nous devons absolument la préserver et renouer le dialogue.